chaîne de Macasa Gaming. Aujourd'hui, la JDG Box de février, donc la journal du geek qui sort tous les deux mois. Première fois que je reçois cette box, on va voir qu'est-ce qu'elle a dedans. Cette box vaut la somme de 29,99€, frais de port inclus. Donc un peu moins cher que la Woobox de jeuxvideo.com. Normalement je devrais avoir un cadeau supplémentaire dedans puisque la taille du t-shirt que je voulais n'avait pas. Donc je ne sais, malheureusement on ne sait jamais le thème qui est noté chez eux. Donc normalement le thème de février de jeuxvideo.com c'est sur le fantastique. Normalement, dans la logique, il devrait rester dans les mêmes thèmes. Bon, on ne sait pas, on verra bien. C'est surprise. Alors, on va sortir la petite boîte. Donc, la boîte par rapport à celle de jeuxvideo.com est plutôt banale. Hein. Alors, on va commencer et on va commencer à sortir ce qui est. Donc, en premier, nous sortons une petite queue, nous signalant que c'est la 10e box. Donc, c'est la 10e de chez eux, voilà, un petit peu avec tout, hein, en disant qu'est-ce qu'elle contient, des choses comme ça. Mais on verra ça au fur et à mesure. On va continuer, donc on va commencer par sortir. Alors, nous avons une petite figurine, c'est même pas une figurine, c'est un, c'est une balle anti-stress. C'est une balle anti-stress. Donc une balle anti-stress de la tête de Darkpool. Donc une petite balle anti-stress de la tête de Darkpool. Sympathique. Donc ça ira sur l'étagère de collection. Nous allons continuer. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans? On a un petit aimant. Un petit aimant étoilé. On va mettre sur le frigidaire. Alors, continuons. Qu'est-ce que nous avons d'autre de beau? Il y a tellement de gros trucs que je ne sais même pas lequel faut sortir tout de suite. Allez, on va vous faire sortir un gros truc. Une figurine pop. Alors, une figurine pop, c'est la numéro 20 de chez Marvel. Et c'est le Darkpool. Donc, on va la sortir. Donc, encore une avec la tête bougeant. Et une petite figurine à mettre à côté, encore des autres pop. J'adore ces petites figurines. Alors nous allons continuer. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Tiens, une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes style jeu vidéo rétro à la 8 bits. Toujours bon à prendre. Et donc après nous avons un t-shirt. Alors, ce t-shirt. Alors, le t-shirt. Donc, comme ils avaient dit, ils m'ont envoyé un XL au lieu d'un XL. J'aime bien les avoir larges. Mais voilà. Et nous avons un t-shirt qui correspond à une petite invasion de demi. Donc voilà, donc quel est le cadeau qu'ils m'ont envoyé en plus? À mon avis, c'était ta paire de chaussettes, je pense. Bon, maintenant pour 30 euros pour les deux mois, on a un t-shirt, on a donc une pop qui vaut une quinzaine d'euros. Paire de chaussettes, bon, après un petit pop. Je
pencherai plus à vous dire quand même que la box de les box de jeuxvideo.com, je les trouve beaucoup plus belles, hein, ou celle de la Nerfy Box. Donc voilà, j'espère que ça vous a bien aidé, c'est ce unboxing, que ça vous a bien plu. Vous pouvez lâcher un petit pouce sur ma vidéo, laisser des commentaires. Allez, à plus !